Sois glorifié ton nom, Jésus. Nous t'aimons. Et nous reconnaissons aussi que si on a ces jours-là, c'est parce que tu nous as donné. Tu as créé ces jours, Seigneur. Tu as fait, tu as préparé toutes choses. Nous n'avons rien fait. On n'a rien fait, Seigneur. Mais tout est prêt pour qu'on puisse profiter de la vie et de la vie en abondance. Et nous sommes là réunis au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Et ça, Seigneur, c'est merveilleux. Merveilleux de pouvoir venir à ta maison. Nous avons la joie, Seigneur. La joie de pouvoir avoir la foi et de pouvoir croire à ta parole. De pouvoir enlever les yeux au ciel et te voir tel que tu es, Seigneur, à travers ta parole. C'est pour ça, Seigneur, que nous te demandons de recevoir notre reconnaissance, notre louange, notre adoration. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous savez, la Bible est la parole de Dieu. Et cette parole est la vérité. Amen. On ne doit jamais perdre ça aussi. On doit toujours conserver ça parce qu'on est tous les temps et tous les moments de notre vie affrontés à ne pas croire à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup, mais beaucoup de persécutions, quelquefois des persécutions qui sont un peu cachées. Elles ne sont pas trop exposées. Mais en tout cas, elles sont là pour essayer de nier cette parole. Et nous, les chrétiens, on doit être certains. Et cette certitude ne doit pas être une chose simplement une concordance mentale, mais quelque chose qui se passe dans les plus intimes de nous-mêmes. On doit avoir la certitude que nous avons besoin de cette parole et qu'elle est la vérité. Parce que si on n'a pas ça, au moment qu'on va être affronté par d'autres religions, d'autres cultures, d'autres façons de croire, peut-être on n'aura pas certainement la possibilité de rester ferme. C'est pour ça qu'on doit s'affermir toujours, connaître davantage la parole de Dieu, connaître davantage et créer en nous-mêmes, dans notre cœur, la certitude que cette parole est la vérité. Parce que même dans les milieux évangéliques, il y a beaucoup de monde qui ne croit pas que cette parole est la vérité. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, même dans les mondes évangéliques, qui ils ont déjà détourné la parole. Ils ont déjà donné une interprétation complètement différente de celle qui existe dans la Bible elle-même. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on ne doit jamais être fatigué de faire connaissance à cette parole. De pouvoir être toujours connaissant de ce qui existe ici, parce que la Bible dit que cette parole, elle est capable de nous sauver. Alléluia. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, la Bible, elle n'est pas un livre comme n'importe quel livre. Elle n'est pas une parole comme n'importe quelle parole. Elle est une parole vivante et agissante. Amen. Alléluia. Elle est différente. Quand on connaît la parole de Dieu, pourquoi on a besoin de d'abord connaître? Parce que si tu ne connais pas, tu ne peux pas affirmer. Tu ne peux pas croire en une chose que tu ne connais pas. Par exemple, je vais vous parler de quelque chose là. Il y a un truc qui s'appelle Ganoderme lucidum. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Donc, vous ne pouvez pas croire à ça. Vous savez, ça fait du bien à la santé. C'est quelque chose de merveilleux. Et ça existe depuis des siècles, des siècles. En Chine, les rois de Chine, les empereurs là-bas, pouvaient ça commenter. Et ça fait beaucoup de bien à la santé. Il y a beaucoup de choses qui, c'était, va évidemment aider à la santé d'un être humain. Et ça, c'est déjà connu scientifiquement. Mais beaucoup de monde ne connaît pas. Donc là, je suis en train de vous présenter ce qu'ils appellent la reine des herbes. Hein, c'est un champignon. Un champignon.
Oui, c'est un champion. Et quand on boit ça de façon commentée, ça va nous aider beaucoup dans notre santé. Mais personne ici connaissait ça. Bon, la majorité des gens dans le monde entier ne connaissent pas. Donc, si on ne connaît pas, on ne peut pas faire confiance. N'est-ce pas? On ne peut pas croire une chose qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas croire la parole de Dieu si on ne la connaît pas. Moi, aujourd'hui, bon, ça fait une semaine ou deux semaines que j'ai connu Gunnar Mood. Gunnar Mood. Je ne connaissais pas avant. Même moi, étant un scientifique, je ne connaissais pas non plus. Mais ça fait une semaine, 15 jours que je connais et j'ai commencé à boire ça. Et je remarque que ça fait du bien, vraiment. Ça, je peux vous dire, je peux vous garantir. Amen. Alors, je ne suis pas en train de parler de quelque chose que j'ai entendu parler. Moi, j'ai goûté. La même chose, c'est avec la parole de Dieu. Amen. Beaucoup de fois, on vient à l'église, on est attiré à venir à l'église, ou même à écouter la parole, parce que quelqu'un vient et nous parle. Ou quelqu'un nous dit, viens à l'église. Ou quelque chose, un événement, nous attire à aller à l'église. Vous savez, quand Jésus... Il s'est trouvé avec la femme à côté du puits d'eau. Cette femme, elle ne croyait pas Jésus. Elle ne savait même pas qui était Jésus. Mais alors, Jésus parle à elle et après, Jésus fait quelques révélations de sa vie à elle-même. Elle dit, ah, là, je vois que tu es un prophète. Et puis, Jésus parle un peu, elle s'en va et dans la ville, elle fait la propagande de Jésus. Elle dit, oui, j'ai connu quelqu'un, tu vois, c'est un grand prophète, il a révélé toute ma vie. Et les gens viennent, parce que les gens aiment bien la prophétie. Les gens disent, ah oui, je veux savoir si je vais gagner la loto ou pas. Tout le monde veut savoir ça, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y a même des prophètes qui sont testés, hein? Les gens disent, mais quels sont les numéros de la loto? Vous savez, un prophète de Dieu. Il est prophète parce que Dieu a choisi. Amen. Il n'est pas un adivin. Un adivin. Ce n'est pas quelqu'un qui va, tu vois. Il voit les choses comme Dieu révèle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et une fois au Brésil, il y a une fille qui elle dit, Seigneur, parce que quelquefois Dieu révélait des choses à elle. Elle dit, Seigneur, mais pourquoi tu ne me révèles pas les numéros de l'auto? Oh. Et Dieu dit, mais bon, c'est trop facile comme ça. Que tu deviennes riche comme ça, c'est trop facile. Amen. Amen. Alléluia. Bon, enfin. Et évidemment, quand on fait la connaissance de la parole de Dieu, cette femme, elle était allée, elle a connu Jésus. C'est comme si elle a connu la parole. Et elle part, elle fait la propagande. Les gens viennent. Après, les gens entendent, ils vont écouter Jésus en train de parler. Et ils disent, bon, on est venu parce que cette femme a fait la propagande de toi. Mais maintenant, on est là et on croit parce qu'on a entendu. Et on sait que c'est la bonne parole. Amen. Ces comportements on doit avoir avec la parole. Amen. Peut-être tu es venu parce que quelqu'un a parlé, quelqu'un a fait la propagande, parce que tu as vu quelque chose de merveilleux chez la vie de quelqu'un, mais tu dois rester parce que tu as goûté de cette parole. Amen. Alléluia. Amen. On doit goûter la parole de Dieu. On doit avoir une relation telle avec cette parole. Moi, je te dis une chose, mon frère. Si tu connais la parole et tu la mets en pratique, tu auras des effets chez ta vie. Amen, amen, amen. C'est impossible à quelqu'un de ne pas avoir les effets de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez bien en 1er de Pierre. Donc là, nous allons connaître quelques versets. On va lire quelques versets de la Bible. Parce que c'est toujours bien de lire la Bible. 1er de Pierre. 2:9. 1er de Pierre, c'est déjà presque à la fin de la Bible. Premier de Pierre, chapitre 2, verset 9. Alléluia. Donc ici c'est écrit, 1er de Pierre 2, 9. Vous, par contre, vous êtes
lié choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les eaux faites de celui qui vous appelait des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Vous savez, avant, chez nous tous, quand on était éloigné de Dieu, parce qu'on n'avait pas la foi, les gens qui n'ont pas la foi sont éloignés de Dieu, mon frère. Alléluia. Moi, je vois au Brésil aujourd'hui, le Brésil, vous savez, c'est un pays qui a beaucoup de croyants. On peut dire qu'à peu près 95% des Brésiliens sont croyants. C'est trop difficile à toi de trouver un athée au Brésil. C'est même pas bien au Brésil, quelqu'un qui se dit athée. C'est pas bien. Ça, c'est pas bon. Les gens du monde, les gens n'aiment pas au Brésil. Quelqu'un qui dit je suis athée. Là, ils commencent à prendre des distances. Amen. Donc, mais au Brésil, vous savez, nous avons beaucoup de jeunes croyants. Donc, mais la majorité de ces gens-là, évidemment, il y a beaucoup qui disent qu'ils croient à Dieu, mais ne pratiquent pas sa parole. Ça ne suffit pas tout simplement de dire « je crois à Dieu ». « Je crois à Dieu », c'est une chose, c'est déjà bien. Mais si tu dis que tu crois à Dieu, mais tu ne pratiques pas la parole de Dieu, ça va montrer que tu n'es pas en lui, lui n'est pas en toi. Alléluia. Avoir la foi, quand on appelle, quand on dit avoir la foi, ça veut dire croire à la parole de Dieu. Ce n'est pas tout simplement dire je crois à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a laissé sa parole écrite? Pour qu'on puisse lire, se rappeler et pratiquer. Parce que même si tu lis, moi je connais pas mal de gens aussi qui connaissent la parole de Dieu, plus que moi, que toi, mais ils ne pratiquent pas non plus. Et en plus, ils ne croient pas à cette parole comme la parole de Dieu. Donc si tu ne crois pas à la parole telle qu'elle est, elle ne peut pas faire les effets qu'elle fait. Par exemple, la Bible dit que Jésus guérit. En effet, la Bible dit qu'on est déjà guéri. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, si tu crois comme ça, c'est bien. Mais si tu crois, il y a des gens qui disent non, il faut qu'on soit malade. Moi, je me rappelle ici un jour, je suis allé prier pour quelqu'un. Je dis, mais madame, je suis invité ici pour venir pour prier pour vous. Mais elle dit, ça vaut pas la peine ici. Je suis tellement malade qu'il n'y a plus de solution pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une personne comme celle-là? J'ai essayé d'expliquer la parole de Dieu à elle. Parce que pour Dieu, vous savez, même quelqu'un qui est mort, ça peut ressusciter. Amen. On parle de résurrection des morts et les gens ne croient pas, mais ça existe. Amen. Il y a des exemples de gens ressuscités. Bon, ce n'est pas tous les morts qui vont ressusciter, c'est vrai. Alléluia. Amen. Moi, j'ai entendu, j'étais en train de voir une émission récemment, il est blessé qui il dit qu'il s'est noyé dans la mer. Il a dit qu'il a vu son esprit quitter son corps et c'est quelqu'un qui n'avait pas la foi. Et il a dit qu'il a vu son corps, son esprit quitter son corps et après il a vu son corps qui coulait chaque fois plus. Et à un moment, il a entendu, il a vu une lumière, il a entendu une voix qui a dit, reviens, c'est pas ton moment. Retourne. Et il a dit, donc il a vu que lui, il dit que lui, vous savez, là, il a vu son esprit. Donc il a dit que lui est rentré dans son corps. Lui est rentré dans son corps. Parce qu'en effet, la Bible dit que nous sommes un esprit qui habite dans ce corps-là. Ce corps physique que nous avons, c'est tout simplement une vêtement.
C'est comme ça qu'on est en train de porter là. Un jour, ton esprit va quitter. Et ce jour-là, ça va rester comme un vêtement là-bas, abandonné. Alléluia. Amen. 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 Eh bien, il a dit qu'il a vu que son esprit est revenu parce qu'il a entendu une voix qui dit, reviens, ce n'est pas ton moment. Et il est rentré dans son corps physique, il a monté dans l'eau, et puis les gens du bateau ont vu, ils l'ont pris. Et après, ils ont dit qu'ils ont fait un calcul, il est passé à peu près 15 minutes sur l'eau, coulé. Donc, ce n'est pas possible une personne de passer 15 minutes et être vivant. Lui, il est reconnaissant qu'il a ressuscité. Il était mort, il a ressuscité. Amen. Quelqu'un qui n'était pas croyant, mais je ne sais pas pourquoi Dieu a fait ça. Alléluia. Mais Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Il a dit, reviens, ce n'est pas ton moment là. Et combien de fois j'ai déjà vu des gens qui les médecins disent, oh, ça... C'est mort. Faut rien. On a eu même ici, dans notre église, un témoignage d'un frère, la soeur qui était avec nous depuis longtemps. Son mari a eu un accident là-bas, dans Saint-Martin. Oui, c'est à Saint-Martin. Et les médecins ont dit, bon, les médecins m'ont conseillé de débrancher les machines. Parce qu'il était dans l'unité de traitement intensif, soutenu par des machines. Et les médecins disent, non, non, c'est pas la peine, hein, il est mort, on va couper les machines. Elle dit, non, 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 j'ai prié et mon Dieu m'a dit qu'il est vivant. Amen, amen. Et le médecin qui vient en charge pour éteindre les machines, elle dit, non, non, non. Et jusqu'au moment où elle a dit, bon, on va faire un pacte, nous les deux médecins. Et il dit, on attend jusqu'à demain. Si demain n'a pas d'amélioration, on va éteindre les machines. Et donc, elle est rentrée à la maison. Le lendemain matin, elle arrive à l'hôpital. Elle arrive, elle a dit, elle disait que le médecin avait un sourire énorme. Et elle a regardé, elle dit oui. Il dit, mais il y a une nette amélioration. Ton mari est revenu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour des gens qui croient, mon frère. Amen. Si tu ne crois, tu ne pourras pas voir. Il faut s'accrocher à la parole. Parce que si on ne s'accroche pas à la parole, on n'a pas de repère. On est perdu comme les gens du monde. Il faut avoir un repère. Amen. Et ce repère pour nous, c'est la parole de Dieu. Ici, il dit, regardez bien qu'est-ce que c'est écrit ici. Il dit, vous êtes une lignée choisie. Dieu nous choisit. Amen. Amen. Bon, ici dans notre église, on n'a pas la doctrine des choisis, parce qu'il y a des doctrines qui disent qu'il n'y a que 120 000 sauvés. Il y a une doctrine qui parle comme ça. Il dit qu'au ciel, il n'y aura que 120 000. 144 000. 144 000, voilà. Parce qu'il y a un verset dans le livre d'Apocalypse qui parle à peu près ça. Mais nous ne croyons pas comme ça. Nous croyons à ce que la parole dit que Jésus est venu pour sauver les hommes. Amen. Tous les hommes sont sauvés en Christ Jésus. Donc, ce cadeau a été donné à l'humanité. Amen. Amen. Mais il faut quand même prendre le cadeau et l'utiliser. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas. Ici, en France, on dit Jésus, Jésus. Oh, bon, bon, donc les gens ne veulent pas les cadeaux. Ces gens-là ne veulent pas les cadeaux. Donc, moi, je me rappelle d'un monsieur que je suis venu ici prier pour lui. Je suis deux fois allé dans son appartement et deux fois il a renié Jésus-Christ. Deux fois. Il dit, oh, je m'en fiche de ça. Jusqu'au jour que je lui ai dit, bon, monsieur, vous savez, je suis venu pour prier pour vous. Mais si vous voulez rester sur cette chaise roulante là, esclave ou malin, restez-vous. Moi, je n'ai aucune responsabilité sur votre sang. Je suis venu, je vous apporte la parole, vous avez régné, donc restez là comme un esclave du malin. Ciao, je me suis allé. Amen. Il y a des gens qui te donnent un cadeau, ils ne veulent pas. Ce n'est pas ton problème, c'est son problème. Amen. Nous, on a entendu la parole et on a pris les cadeaux. C'est ça les choisis. Amen. Ce sont ces gens-là qui vont. Mais par contre, il y a des gens qui disent, mais je ne comprends pas pourquoi il y a des gens
qui c'est comme un déclic, il y a ce mot en français. Hein? D'un coup, il entend la parole et plop, il a la foi. D'autres qui passent toute sa vie n'ont pas la foi. Pourquoi? Moi, je ne sais pas expliquer non plus. Amen. Mais en tout cas, nous sommes les peuples choisis de Dieu parce qu'on fait confiance en lui. Alléluia. 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 Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Tout ça, Dieu nous a fait, nation sainte. Évidemment, nous sommes une nation sainte parmi ce peuple qui n'est pas saint. Amen. Les autres qui n'obéissent pas à la parole de Dieu ne peuvent pas être saints. Un peuple que Dieu s'est acquis, Dieu s'est acquis. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu a fait ça. Pour que vous annonciez. Nous avons un but, mon frère. Amen. Et si on n'accomplit pas ce but-là, ce n'est pas la peine. Pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous appelait des ténèbres à son étonnante lumière. Amen. Vous savez, moi je vous ai donné un exemple. Cet homme qui a vu la lumière. Alléluia. Il était dans les ténèbres. Cet homme, s'il était mort, il allait à l'enfer. Mais il a vu la lumière et a entendu une voix qui dit, eh bien, certainement cette voix n'était pas du malin, était de Dieu. Dieu dit, viens, reviens à ton corps, ce n'est pas le moment. Alléluia. Et c'est ça que Dieu fait avec nous. On était morts dans nos délits, dans nos péchés, dans une vie comme la vie du monde, sans avoir la foi, éloignés de Dieu à travers les péchés. Mais un jour, on a entendu sa parole, on a pris les cadeaux qu'il nous a donnés, on a cru, il nous a menés à sa lumière. Mais ce n'est pas tout simplement pour qu'on reste dans la lumière. C'est pour qu'on puisse annoncer les offres de Dieu. Amen. Il dit que nous sommes la lumière du monde. Donc, il faut que les gens du monde voient à travers nous Dieu. Amen. Comment les gens du monde peuvent croire s'il n'y a pas ceux qui vont annoncer? Si toi, si tu ne nous dis pas que Dieu existe, qui peut croire? Dans ta maison même, avec tes enfants, peut-être, hein, ils vont grandir un bon moment, parce qu'ils ont entendu, ils ont eu la tête faite dans l'école. Parce qu'ici, en France, il y a beaucoup d'écoles qui font la tête des enfants pour qu'ils deviennent athées. Mm-hmm. Beaucoup même. Bien sûr. Moi, je me rappelle de mon fils Fernando, qui un jour est arrivé à la maison en disant, « Papa, est-ce que Dieu a fait un homme tuer son enfant ?» J'ai dit, « Mais non, pas du tout. » Non, parce que la professeure nous a raconté cette histoire, qui dans la Bible, il y a une histoire que Dieu dit à un homme, « Vas-y, tout ton enfant, il était allé, il a tué. » Donc, elle était en train d'expliquer l'histoire d'Abraham. Mais elle n'a pas raconté bien l'histoire. Je ne sais pas si elle était ignorante, je ne pense pas. Mais elle a fait exprès pour que les gens puissent avoir l'âge de Dieu. Vous savez, même ces journaux-là qui étaient, oui, 15, 12 de ce dessin-là étaient tués. Récemment, ils ont fait un charge, j'ai vu sur la télé, en train de montrer un Dieu parce que cette année 2016, il y a beaucoup d'artistes qui sont morts. Donc, ils font un dessin montrant les noms de tous les artistes qui sont morts et Dieu à côté. Comme si c'était Dieu qui a tué ces hommes. Ici en France, il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a Dieu qui tue. Parce qu'ils étaient enseignés pendant beaucoup de temps pour l'église catholique, Dieu tue. En tout cas, la Bible ne dit pas ça. Mais ce n'est pas Dieu ça. Il n'était pas bien enseigné. C'est une doctrine erronée. Dieu nous a donné la vie éternelle même. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible montre que c'est lui qui tue, n'est pas Dieu, mais les malins. Parce que même un croyant. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pour nous, la mort physique, ça, c'est rien du tout. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, la mort physique, ça ne me met pas peur. Parce que je sais où je vais. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je sais où je vais. Si je suis mort tout de suite là. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Et cette garantie, c'est dans mon esprit. Ce n'est pas une chose parce que quelqu'un a mis dans ma tête. J'ai ça dans mon esprit. Alléluia. Amen. Eh bien, la Bible dit que Dieu nous a choisis. Ce n'est pas pour rien faire, c'est pour parler de ses bienfaits, les eaux bienfaits. Ça veut dire qu'il faut qu'on parle aux gens que Dieu est bon. Amen. Il faut même qu'on montre à ces gens-là, dans notre vie personnelle, les bienfaits de Dieu. Il ne faut pas, mon frère, qu'on ait une vie misérable. Amen. Les gens vont voir en nous quelqu'un avec la tête basse, toujours dans la tristesse, toujours dans la difficulté, en tout terme, malade. Et puis tu dis, mais c'est mon Dieu. Donc, les gens ne veulent pas voir ça. Et ça, ce n'est pas des eaux bien faites. N'est-ce pas? Non. Vous savez, l'être humain n'aime pas les déroutés. Ni la déroute. Et ça, c'est une preuve aussi qu'on était fait à l'image et ressemblance de Dieu. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu dévoté. Et c'est pour ça que personne n'aime bien la déroute. Personne n'aime la déroute. Personne n'aime être fracassé là. Personne. Donc, évidemment, si les gens vont voir en nous, les chrétiens, des gens dévotés, des gens toujours comme ça, donc, les gens vont dire, mais c'est pas bon être chrétien là. Tu vois, regarde les chrétiens là. Regarde leur tête là. Même qui on dise, bon, c'est meilleur de souffrir ici et après avoir la joie dans toute la vie éternelle, mais pour ces gens-là, ça ne colle pas. Et en plus, c'est pas ça la vérité. Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus nous a donné la vie et vie en abondance. C'est pour ça que j'ai dit, il faut connaître la parole. Parce que si on ne connaît pas la parole, on ne peut pas croire. Et si on ne peut pas croire, on n'aura pas les bénéfices que la parole pourra nous donner. Il faut savoir bien connaître la parole de Dieu. Il y a beaucoup de doctrines, et ça c'est biblique aussi, qui dit que dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps, il y aura beaucoup de mauvaises doctrines. Ou des doctrines des démons. Alléluia. Donc, quelle est la doctrine du démon? Toute celle qui est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, cette doctrine de souffrance qu'il faut souffrir, il faut apporter la croix de Jésus sur toi, mon frère, ça, ce n'est pas biblique. Alléluia. Évidemment, nous ne vivons pas tout simplement pour avoir les plaisirs de la vie. Nous ne vivons pas pour les plaisirs, comme les gens du monde. Ça, c'est les gens du monde qui cherchent les plaisirs partout, n'importe où. Et qui font tout pour avoir du plaisir. Et évidemment, hein, le plaisir, il n'est pas un péché non plus. Mmh. Amen. Amen, amen. Parce que si le plaisir était un péché, Dieu ne nous aurait pas construit au fait en ayant la capacité d'avoir du plaisir. Mmh. Alléluia. Mmh. Vous savez, quand on mange, ça nous donne du plaisir. Alléluia. Est-ce que tu as déjà remarqué ça? C'est pour ça qu'il y a tellement de gens grossis aujourd'hui. Parce que ça donne tellement de plaisir qu'il faut manger parce que ça donne du plaisir. Alléluia. Amen. Donc, le péché, c'est être contrôlé par les plaisirs. Alléluia. Amen. Donc, il faut qu'on puisse regarder, est-ce que je suis contrôlé par la nourriture? Ou c'est moi qui contrôle la nourriture? Comment tu vas savoir si tu es contrôlé par la nourriture? Si tu ne peux pas dire non à un gâteau de chocolat ou une bouteille de Coca-Cola. J'ai dit à des gens qui aiment beaucoup ça. Moi, j'étais comme ça avant. Mais aujourd'hui, je regarde Coca-Cola et elle ne contrôle plus. Amen. Alléluia. Amen. Gâteau de chocolat, à peu près. Hein? Amen, amen. Mais j'ai fait attention toujours. Il y a beaucoup de moments que les gens, quand je vais dans des dîners, dans des déjeuners, j'aime surtout après les repas, il y a
les desserts. J'aime beaucoup les desserts. Donc, les gens disent, vous voulez répéter? Je dis, oui, je veux, mais j'y ai pas. Amen. J'aime bien dire ça. Je veux, mais je ne veux pas. Je veux, mais j'y ai pas répété. Amen, amen. Donc là, c'est moi qui prends le contrôle. Amen. Parce que si je veux faire la volonté de ma chair, j'allais manger tous les gâteaux. Amen. Chez moi-même, j'aime beaucoup les sorbets de la glace. Il y a beaucoup de glace, heureusement et gloire à Dieu. Mais j'ai remarqué que ça me fait grossir, donc j'ai fait attention, je mange moins maintenant. Amen. Même s'il y a les meilleurs chez moi. Alléluia. Amen. Ça, c'est avoir du contrôle. J'ai dans mon frigo, mais ce n'est pas eux qui vont dire à moi, mange-moi tout le temps. Parce que pour eux, je le mangeais tout le temps. Il marchait aussi, mais j'ai dit non. Amen. Alléluia. Amen. Donc, évidemment, nous devrons faire toujours attention comment ça va notre vie. Dieu nous a déjà donné la vie en abondance, à travers son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons droit à cette vie en abondance. Mais, pour qu'on puisse avoir la vie en abondance, il faut connaître la parole de Dieu et l'appliquer dans notre vie, dans tout cas. Amen. Tu ne dois pas appliquer la parole tout simplement au moment où ça, c'est favorable à toi. Mm. Alléluia. Amen. Il y a des moments où ça ne sera pas favorable à toi. Amen. Par exemple, la Bible dit qu'on ne doit pas mentir. On ne doit pas dire du mensonge. Alors, il y a un moment que tu parleras la vérité, mais un moment où l'autre dit non, mais tu sais, c'est un demi-mensonge. Oui, il y a des gens qui disent comme ça, au Brésil. Non, ce n'est pas un mensonge, c'est un petit mensonge, c'est un demi-mensonge. Il n'a pas de demi-mensonge, soit un mensonge ou n'a pas. Non, c'est pour les protéger. Tout ça sont des excuses. Et ça ne vient pas de... On ne doit pas dire des mensonges. Alléluia. Amen. Amen. Même si au moment ou l'autre, ce que tu vas dire peut être contraire à toi, mais il ne faut pas dire des mensonges. Il y a beaucoup de nous, on s'habitue à dire des mensonges. Moi-même, je vois dans l'église pas mal de gens qui se sont habitués déjà à mentir. Et je vois comme ça, je dis, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est... Je dis, non, mais la Bible, mon frère, c'est pour appliquer dans toutes choses de notre Amen. Vie. Les plus simples, les plus compliqués. Mm. Si la Bible dit qu'on ne doit pas mentir, on ne doit pas mentir. Mm. Alléluia. Amen. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Alléluia. Amen, amen. Quelquefois, il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas vivre sans mentir. Oui, on peut vivre sans mentir. Amen. Une fois, j'ai vu même un reportage qui disait c'est impossible de vivre sans mentir. Non, 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 j'ai dit encore un mensonge. Alléluia. Amen. Ça, c'est grave parce que la Bible dit que celui qui ment n'appartient pas à Dieu. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'aux États-Unis, un mensonge, c'est quelque chose de très grave. Amen. Aux États-Unis, c'est très grave. Mais on est dans une société qui faisait bien aujourd'hui les mensonges. Tu vas dans un supermarché, c'est plein de mensonges. Plein de mensonges. Promotion. Tu prends trois... Je sais pas, trois, tu achètes trois, tu gagnes un. Après, quand tu, si tu fais le calcul beaucoup de fois, l'unité, ça va coûter moins cher que les trois. Parce que les gens ne prennent pas le temps de calculer combien c'est les kilos. Mais en bas, c'est marqué les kilos, c'est plus cher que l'unité elle-même. Beaucoup de mensonges comme ça. C'est beaucoup, beaucoup. Ça se répète, ça se répète. Des promesses qui n'existent pas. Alléluia. Amen. Et donc, on vit dans cette réalité du monde qui vit dans les mensonges. Mais nous, on ne doit pas mentir. C'est ça, appliquer la parole.
Il y a des moments qui n'est pas menti peut être une chose pas favorable à toi. Ça peut paraître, mais c'est préférable rester avec la vérité qu'y aller dans un mensonge. Vous savez, un mensonge, quand tu dis un mensonge, après tu auras besoin de dire plusieurs pour justifier les premiers. J'ai déjà vu ça beaucoup de fois. Avec un élève, par exemple, au Brésil ça existe, ici c'est plus difficile, heureusement. Mais au Brésil, un élève qui va à l'école et puis il veut crier, on dit comme ça, l'école, ça veut dire, il fait semblant qu'il va à l'école, mais en arrivant là-bas, il sort, il va dans la rue, il sèche. Ici, si un garçon fait comme ça, d'un coup il se téléphone dans la maison, n'est-ce pas? Mais là-bas au Brésil, il y a des écoles qui c'est possible encore faire ça. Alors, en arrivant à la maison, papa dit, mais est-ce que les cours étaient bien? Ah oui, super. Qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui? Ah, on a vu du portugais, de mathématiques. Ah. Deuxième mensonge. Est-ce que les cours étaient super? Oui, étaient super. Ils n'étaient même pas là-bas. Qu'est-ce que tu as vu? Portugais, mathématiques, deuxième mensonge. Ah, mathématiques, qu'est-ce que tu avais? Oh, on a fait des calculs. Troisième mensonge. Quel genre de calcul? Oh, on a fait la racine. Oh, quatrième. Tu vois, donc il a beaucoup besoin de mentir pour justifier les premiers. Et chaque fois, la personne elle s'enfonce encore plus. Reste avec la parole, mon frère. Sois fidèle à cette parole. Parce que si tu es fidèle à la parole, Dieu sera fidèle à toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bon, évidemment, j'ai déjà vu aussi des gens qui n'ont pas l'équilibre avec des WC. Donc, par exemple, on ne doit pas dire des mensonges. Donc, tu arrives, tu dis, Pasteur Freddy, tu dis, tu sais, je te connais depuis longtemps, mais aujourd'hui, j'ai appris à l'église que je ne dois pas mentir. Donc, je ne t'aime pas, tu es ça, 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 et après, tu dis tout. Non, ce n'est pas ça. Amen. Tu n'as pas besoin de dire tout ce que tu sens. Alléluia. Mais si un jour, Pasteur Freddy demande à toi, tu m'aimes, évidemment, la vérité, c'est, Pasteur Freddy, j'aime pas trop. N'est-ce pas? C'est un exemple. Moi, j'aime beaucoup Pasteur Freddy. Amen. Alléluia. Amen. On ne doit pas mentir. Ça, c'est quelque chose dans la parole de Dieu. Et c'est une chose simple, mais qui a beaucoup de conséquences dans la vie des chrétiens. Il y a beaucoup de gens au Brésil, par exemple, qui vont mentir sur les impôts. Ils touchent 10 000 euros, en disant comme ça, ils disent qu'ils touchent 1 000 euros. Un chrétien ne doit pas faire ça. Moi, par exemple, depuis le moment que je suis arrivé en France, je déclare ce que je touche, ici et au Brésil. Bon, aujourd'hui, je ne touche rien ici. Amen. Depuis, ça fait quelques temps que je ne touche plus rien en France. Mais depuis le moment, je n'étais pas obligé de déclarer au Brésil, ce que j'ai touché au Brésil comme salaire. Parce que moi, j'ai un salaire là-bas. Mais je dis, j'ai fait question. Parce que le gouvernement français m'avait donné des bourses, des trucs comme ça. Par exemple, la carte. J'ai dit, bon, mais si je ne déclare pas ce que j'ai gagné au Brésil, peut-être ils vont dire, moi, je n'étais pas obligé parce que je suis entré en France comme étudiant. Mon statut était étudiant, j'étais en train de faire un doctorat. En tant qu'étudiant, je n'ai pas besoin de déclarer rien tout. Je suis allé aux impôts, et c'était eux-mêmes qui m'ont dit. Mais je dis, mais si je veux déclarer, est-ce qu'il y a un problème? Non, pas du tout. C'est encore meilleur. J'ai dit, donc, je vais déclarer. Même si ça pouvait couper mes aides, les aides des États que j'avais, moi je dis, mais si j'ai les droits, j'ai les droits. Et si je n'ai pas les droits, je n'ai pas les droits. Mais il faut que je déclare ce que je touche. Parce qu'après, ils peuvent m'accuser que je suis en train de mentir, de tromper l'État français. Et moi, je ne veux pas de ça. Donc, depuis le moment que je suis entré en France, je déclare. Amen. Amen. Toujours exactement comme je touche. Je ne cache rien du tout. Alléluia. Amen. Et c'est bien vivre comme ça. Parce que si tu vives dans les mensonges, mon frère, un jour, ça va être découvert. Et après, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. C'est meilleur de vivre dans la vérité. Comme ça, tu es libre. Alléluia. Amen.
Si tu vives dans la vérité, tu es libre. Alléluia. La Bible dit que la loi existe pour ceux qui sont dans l'erreur. N'est-ce pas vrai ça? Si tu fais les choses contraires à la loi, un jour la loi te prendra. Mais si tu es en accord avec la loi, donc la loi pour toi, ça n'existe pas. Moi, j'ai déjà remarqué ça. Si tu roules dans une voiture et ta voiture, elle est complètement en norme avec la loi, et toi aussi, ton permis de conduire, tout est bien, ça va. Tu peux avoir des policiers, tu peux avoir des gens qui vont t'arrêter demain. Tu as même du plaisir de montrer. Mais si tu sais que tu es en faute, ton permis est périmé, par exemple, quand tu vois un policier de loin, tu veux se cacher. N'est-ce pas comme ça? Tu as peur. Est-ce que c'est bon de vivre comme ça? C'est la même chose, mon frère, avec la parole de Dieu. Si on n'est pas en ligne avec la parole de Dieu, on a toujours peur. Peur d'être attrapé. Parce que la parole, tu sais, la parole de Dieu ne nous amène à rien de mauvais. La parole de Dieu nous amène toujours, je ne sais même pas pourquoi, et je sais, mais moi je me questionne, je dis, mais pourquoi ces gens sont tellement embêtés avec une église? Parce que vous êtes là, moi je suis ici. Depuis tout, du moment qu'on est rentré au moment qu'on va sortir, est-ce qu'on est en train de vous conseiller à faire quelque chose de mauvais? On s'efforce, on fait des musiques, on chante, on prêche la parole qu'on est en train de prêcher, et tout ça, ça ne va conduire que dans les chemins de la lumière, pour faire le bien, pour être une meilleure personne, pour être un meilleur citoyen. Moi, je dis même, si j'étais un gouverneur d'un pays, j'allais même incentiver, j'allais même stimuler que la parole de Dieu soit propagée. Parce que la parole de Dieu n'amène personne à faire du mal. Amen. Quelle société on allait avoir de meilleure si tous respectaient la parole de Dieu? Mais comment ces gens peuvent croire? Moi, je dis, comment ces petits Français-là qui sont en train d'être endoctrinés avec des doctrines de Satan, parce que la doctrine des athées, c'est de Satan, comment ces gens-là peuvent croire la parole de Dieu s'ils n'étant pas la parole? Comment? Moi, j'ai entendu que dans des doctrines, d'autres doctrines là, ils sont endoctrinés à faire la guerre. Ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit ici, la Bible dit que de ce qui dépend de vous, faire la paix avec tous les hommes. Regardez bien, tout simplement ces versets-là, ça allait être bien si tous les Français connaissaient ça et pratiquaient ça. De ce qui dépend de tout, faire la paix avec tous les hommes. Alléluia. On n'allait pas faire la guerre. Amen. On n'allait pas avoir des enfants qui sont en train d'aller à la guerre. Après, ils vont là-bas, ils reviennent pour faire la guerre ici dedans. Et pourquoi ces gens? Mais je pense qu'il y a quelque chose qui commence à changer en France. Depuis quelques temps, depuis le moment que je suis arrivé, ça fait 10 ans que je suis là, je vois qu'il y a des choses qui changent en France par rapport à la parole de Dieu. Moi, je vois dans la télé beaucoup d'émissions qui commencent à parler de Dieu. Et pas mauvais comme avant. Parce qu'avant, ils parlaient de mauvais. Aujourd'hui, non. Je vois des choses qui sont en train de changer. Heureusement, parce que les Français ne sont pas des peuples bêtes. Ils sont un peuple intelligent. Donc, heureusement, ils commencent à raisonner de façon correcte. Alléluia. De comprendre que cette parole-là, une fois qu'elle est prêchée, une fois que les gens vont pratiquer cette parole, le monde qu'on aura sera beaucoup meilleur. Alléluia. Amen. Non, mais vous savez, après, je prends des exemples. Mon frère, ma soeur, moi, je viens de vous dire, il y a des doctrines erronées. Il y a des démons qui vont se passer par des brebis. Pour prêcher cette parole, ils vont faire des choses erronées. Évidemment, ça existe. Mais ça, ce n'est pas la faute de la parole elle-même. Ça, ce n'est pas la faute de Jésus. Jésus même, il prévoit que dans les derniers temps, il y a des mauvaises doctrines. Et c'est pour ça qu'il faut, évidemment, qu'il existe la parole. Il faut lire la parole. Alléluia. Amen. Il a pratiqué. Alléluia. Amen. Eh bien, vous savez, les commandements les plus grands de Jésus, c'est aimer ton prochain comme toi-même.
quelle que soit la chose qui sort de ces commandements-là, n'est pas biblique. Quelle que soit la chose que tu vas faire qui est dehors de ces commandements, n'est pas biblique. Et tu ne dois pas pratiquer. Par exemple, moi quand je dis, il ne faut pas mentir, est-ce que tu vas aimer quelqu'un qui ment à toi, qui va te tromper? Donc tu ne dois pas faire les mêmes. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est simple, non? Eh bien, c'est pour ça que moi je dis, je ne sais pas pourquoi il y a tellement de gens entêtés avec la parole de Dieu et l'Église elle-même. Parce que ça ne fait que du bien. Amen. Certainement, à la fin de ce culte, on sera meilleur que quand on est rentré. Pourquoi? Parce qu'on est exposé à la parole, on va sortir avec la parole et on va essayer de la pratiquer pendant toute cette semaine. Amen. 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 Alléluia. Amen. Eh bien, les bienfaits de Dieu, on doit les raconter. Mais pour que ces bienfaits soient dans notre vie, il faut qu'on soit en Dieu lui-même. Amen. Et comment on est en Dieu? Tout simplement en disant que je crois à Dieu? Non, c'est en pratiquant sa parole. Amen. Jésus dit, si mes paroles sont en vous, si mes paroles sont en vous, amen. Et si vous pratiquez mes paroles, moi et mon Père, on viendra à vous. Et tout ce que vous allez demander, nous allons vous donner. Alors, tu peux dire, mais c'est très puissant ce verset. Tout ce que je désire, que je veux avoir des désirs, et que je demande à Dieu, il va me donner. Non, ce n'est pas ça que c'est écrit. Il dit, si mes commandements sont en toi. Amen, amen. Si mes paroles sont en toi. Donc, si les paroles sont en toi, tu ne vas pas demander, par exemple, les maris d'autres femmes. Ou l'époux, ou quelqu'un qui est l'épouse d'un autre homme. C'est, tu vois? Tu ne vas pas demander, par exemple, papa, donne-moi la richesse de quelque personne. Non, si la parole est en toi, tu ne feras pas ça. Amen, amen. Tu ne vas pas désirer ce qu'il y a aux autres. Amen. Tu vois, si mes paroles sont en toi, Jésus dit, la condition tout d'abord, c'est celle-là. Si mes paroles sont en toi, Seigneur, je vais gagner de la loto. Oui, d'accord, ok. Est-ce que c'est possible? Oui. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent? Si les paroles de Dieu sont en toi, évidemment, tu vas désirer avoir de l'argent tout simplement pour répandre la parole de Dieu. Amen. Tout simplement pour aider ceux qui sont dans la détresse. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Amen. 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 Mais si tu désires tout simplement pour avoir, pour se balader dans des grosses voitures, avoir un château dans la Touraine, je ne sais pas quoi, là ça ne va pas passer. Parce que les paroles de Dieu sont pas en toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend qu'est-ce que c'est avoir la parole, croire cette parole et la mettre en pratique dans notre vie? Amen. Toutes choses sont conditionnelles à la connaissance de la parole, parce que si on ne connaît pas, on ne peut pas croire. D'abord, connaître. Deuxième chose, croire. Troisième chose, pratiquer. Amen. Alléluia. Pratiquer selon la parole qu'on connaît. Alléluia. Amen. 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 Faisons comme ça dans cette année 2017. Amen. Toujours en essayant de s'exposer chaque fois plus à la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Crois que cette parole est de Dieu. Cette parole n'est pas à moi. Elle n'appartient pas à moi. Et cette parole est de Dieu. Alléluia. Amen. Elle existe pour nous bénir. La parole de Dieu n'existe pas pour nous faire mal. Elle existe pour nous bénir. Amen. Toute bénédiction de Dieu sont dans la parole de Dieu. Donc, connaître la parole, première chose, il faut s'exposer. Parce que la foi vient, mais vient pour entendre la parole de Dieu. Si, la Bible dit, s'il n'a pas ce qui annonce la parole, qui pourra croire? Il faut quelqu'un qui annonce. Amen. Donc, d'abord, s'exposer à la parole. Première chose. Deuxième chose, croire que cette parole est de Dieu et elle est la vérité. Troisième chose, la mettre en pratique. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Tout est possible à celui qui croit. Regarde bien, quelle puissance a dans ces versets. Amen, amen, amen. Tout est possible à celui qui croit.
Je me rappelle bien qu'une fois, Pasteur Jonathan, il avait passé beaucoup de temps sans faire des études. Il a rattrapé ses études. Et un jour, il m'a dit, « Mais Pasteur, c'est très difficile. » Il avait une tête un peu comme ça. Il est venu à moi une deuxième fois. Et il m'a dit, « Pasteur, c'est très difficile. » Après, une troisième fois, il est venu. Il a dit, « Pasteur, ces études-là, très difficiles. » J'ai dit, « Mais oh Jonathan, qu'est-ce que tu veux? Qu'ils soient très difficiles ou que tu réussisses ?» Il dit, « Non, je veux réussir. » J'ai dit, « Donc, il ne faut plus dire comme ça. » Regardez bien, Pasteur. Cette époque, n'était pas pasteur. Je dis, regardez bien, Jonathan, tout est possible à celui qui croit. C'est possible à toi de réussir. Il a cru, il a réussi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, regarde bien un seul verset, comme il est puissant dans ta vie. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est possible. Tes rêves. C'est possible. Amen. Amen. Faut surtout croire. Croire la parole. Appliquer la parole. Ne sors pas de la parole. Continue toujours dans la parole. Ne prends aucun chemin qui soit dehors de la parole de Dieu. Dieu sera avec toi. Et il va accomplir sa parole. Tout simplement pour que tu puisses dire à ces gens qui ne sont pas encore à lui, regarde bien les hauts bienfaits de mon papa Amen. Chez moi. Amen. 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 Vous avez bien compris là? Amen. Pourquoi Dieu veut nous exalter? Amen. Dieu veut nous élever. Amen. Pour qu'on puisse soit vu par ces gens du monde. Parce que Dieu ne veut qu'aucune personne soit perdue dans l'enfer. Amen. Dieu veut qu'on brille dans ce monde-là. Mais il faut qu'on connaisse la parole. Sans connaître la parole, on ne peut pas croire. Et si on ne croit pas, ça ne peut pas exister dans notre vie. Alléluia. Connaître la parole. Donc, ne laisse pas de venir à l'église. Viens à l'église. S'expose à la parole chaque fois plus. Et mettre cette parole, crois à elle telle qu'elle est la parole de Dieu. Et elle va s'exaucer chez toi. Plus tôt ou plus tard, elle s'exaucera chez toi. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Sois à chaque fois plus béni dans la pratique de la parole de Dieu. Et n'oublie pas de dire aux autres, à ceux qui ne connaissent pas la parole, ma vie, elle est toujours obéissante à la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Dieu est en train de faire de grandes choses chez moi. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur.